overseas mission in Brussels. Antigues et Barbudes font maintenant partie intégrante de la mission à l'étranger à Bruxelles. The decision which had been taken hitherto to establish an embassy in Morocco and also at the African Union in Ethiopia, those decisions have been advanced and the presence of our diplomatic personnel there is imminent. La décision aussi a été prise de faire donc des ambassades au Maroc et en Éthiopie, et ces décisions et nominations sont imminentes. In addition, we reconfirmed an earlier decision to have non-resident diplomatic representation in several African countries as part of our general démarche to Africa. Nous avons aussi reconfirmé la décision que nous avions prise précédemment d'avoir des présences non représentées physiquement dans certains territoires africains. Similarly, we advanced our work for our representation to be returned in a unified way in Canada. Nous avons de même discuté afin que notre représentation au Canada soit redéfinie de manière uniforme. We discussed some outstanding security matters. Nous avons aussi discuté de certains points encore en suspens en matière de sécurité et sûreté des territoires au sein de l'OIGO. Took certain decisions there too. Avons pris certaines décisions en la matière. We agreed to issue a statement on the illegal and unilateral embargo on Cuba by the United States of America. Nous avons aussi décidé de faire un point commun, une déclaration commune sur l'embargo illégal et unilatéral des États-Unis contre Cuba. And the recent attempts by the American government to want to ramp up that embargo. Et la récente tentative et décision du gouvernement américain de relancer cet embargo. I issued a statement of abhorrence in respect of the recent terrorist attack in New Zealand, and we are in solidarity with the government and people of New Zealand. Nous avons aussi émis une déclaration ad hoc sur l'acte de terrorisme qui vient de frapper la Nouvelle-Zélande, où nous exprimons notre total soutien au gouvernement et au peuple de la Nouvelle-Zélande. We had a detailed discussion on the European Union's blacklisting of several OECS and Caribbean countries in the financial sphere. Nous avons aussi amplement discuté de ces décisions récentes de l'Union européenne de mettre divers pays de la Caraïbe sur la liste noire en matière d'échanges financiers et d'établissements financiers. And have fashioned a strategy which involves both accommodation and creative resistance. Et nous avons donc mis en place une stratégie qui nous permet d'intégrer et en même temps faire notre propre espace dans ce cadre. And we discussed further and we have issued a specific statement on the matter of corresponding banking relationships, the de-risking issue, and the citizenship by investment programs. Nous avons aussi émis une déclaration spécifique sur la question des banques relais
ont rendu obligatoire par le système bancaire mondial contre les banques de la Caraïbe, ainsi qu'un point bien précis sur tout ce qui concerne la citoyenneté acquise suite à investissement dans les territoires de l'OECO. And on behalf of the members of the OECS Authority and the commissioners who came here to Guadeloupe, we express our profound appreciation and thanks to the government and people of Guadeloupe for the magnificent arrangements which have been made and are being in evidence for our comfort and care while we have been here in Guadeloupe, for which we will be and we are eternally grateful to the President and the government and people of Guadeloupe. Et au nom des membres de l'autorité de l'OECO et des divers commissaires de la commission de l'OECO, nous avons exprimé notre profonde appréciation au gouvernement et au peuple de la Guadeloupe tout entier pour son extrême qualité d'accueil, l'extraordinaire hospitalité dont ils nous ont fait bénéficier, ainsi que le confort et les soins qui nous ont été prodigués. Et pour tout cela, nous vous en serons éternellement reconnaissants. Now, those are the decisions, and I'm sure the questions when they come, the respective heads of government who are here, including two are here for the first time, Premier Foy of the British Virgin Islands, and the President of Guadeloupe would be able to give their own impressions of the OECS and similarly the Patriarch in the authority, the great one from Martinique, my dear brother. Bien sûr, je vous ai fait donc un point rapide des décisions communes qui ont été prises ici. Maintenant, je pense que je vais passer la parole aux délégués qui sont présents devant vous et nous vous en dirons selon vos questions. Plus en particulier, les deux nouveaux arrivants, à savoir le Premier ministre nouvellement élu des îles Vierges britanniques qui assiste par ailleurs aussi à sa première réunion OECO de l'autorité, ainsi que le président de la Guadeloupe qui vont pouvoir vous donner leurs impressions en tant que nouveaux arrivants, ainsi bien sûr, sans vouloir l'oublier, le patriarche, notre leader, auquel je tiens beaucoup, de grande valeur, le président Alfred Marie-Jeanne, assis à mes côtés. Questions? Messieurs, vos questions. Mesdames. Oui. Oui, deux questions. Il faut appuyer. Allez-vous, il y a la bouche. Hein? Il y a la bouche. Oui. Deux questions d'actualité. La première concerne la décision que vous avez évoquée concernant le placement de la Dominique sur la liste noire en matière d'échanges financiers. Je voudrais savoir quelle position prend l'OECS. Est-ce que c'est une position qui est commune ou est-ce que vous laissez chaque État se débrouiller en quelque sorte avec l'Union européenne, puisque cela aura un impact très direct, je pense notamment au programme Interreg, parce que je ne vois pas comment un pays qui est placé sur la liste noire peut bénéficier des programmes Interreg. Ça, c'est ma première question. Ma seconde question concerne Antigua, avec la décision qui a été prise par la compagnie Carnival récemment d'annuler ses escales Antigua en représailles d'une déclaration du Premier ministre. Est-ce que là aussi, l'OECS aura une attitude commune pour faire face aux compagnies de croisière, ou est-ce que, au contraire, cela va engendrer une espèce de concurrence entre les États pour attirer les compagnies?
Now, the discussion on blacklisted. La discussion sur la liste noire financière was wide and ranging. Était vaste. And that is why I said a strategic frame. Et c'est pour cela qu'un cadre stratégique was adopted by the authority a été adopté par les autorités to accommodate Europe where accommodation is necessary and desirable. Afin de pouvoir répondre positivement à l'Europe dans la mesure et chaque fois que c'est possible dans leur demande. And to resist creatively, and we will do so as one. Et en même temps mettre en place une résistance créative, et ça nous allons le faire d'un front commun. And there are several particular elements in the strategy in which we will engage with Europe. Et cette stratégie commune de développement contient plusieurs points que nous allons confronter avec l'Europe. But I want to say upfront. Mais je permettez-moi de dire en préambule. We reject entirely the notion of a blacklist. Nous rejetons entièrement toute notion de liste noire. How can a group of white countries impose blacklists on countries which are predominantly black? Comment un groupe de pays blancs peut imposer une pseudo-liste noire sur des pays qui sont de manière prédominante noirs? I can see them that they can impose a white list. Pourquoi est-ce qu'ils n'imposent pas une liste blanche? But that list itself, whatever it's called, we consider it to be unjustified. Mais de toute façon, quelle que soit la couleur qu'ils mettraient dans leur liste, nous considérons que cette liste est injustifiée. It is to be understood. Il faut comprendre that in several countries in the Caribbean, que dans divers pays de la Caraïbe, which have either been listed or threatened with listing, déjà listés ou menacés d'être inscrits sur cette liste, have been given a clean bill of health by the Organization of Economic Cooperation and Development. En fait, ces mêmes pays avaient reçu en fait un accord favorable de l'Organisation internationale pour le développement. That is the standard. We all agree. That's an inclusive standard. We in the Caribbean participate in the OECD standards. Et je dois avouer que c'est ça pour nous la norme. C'est une norme intégrée qui est admise et acquise dans le monde entier. C'est la liste de l'OCDE. Et nous, dans la Caraïbe, nous avons ratifié tout ce qui vient de l'OCDE. And the application of those standards. Et l'application de ces normes. But Europe, mais l'Europe is changing the goalposts. Est en train de changer, en fait, la norme, and trying to have people hop, skip and jump in accordance with this change in goalposts. Et essaie de balloter les gens à droite à gauche en fonction du fait qu'ils déplacent en fait les bornes de référence. Although St. Vincent and the Grenadines has not been put on any list. Quoique St. Vincent et les Grenadines n'ont pas été placés sur une liste. We have had to be changing our legislation. Il a fallu toutefois que nous changions notre législation. To our disadvantage. À notre désavantage. What has happened is that Europe is bullying these countries. Ce qui s'est passé, c'est que l'Europe est en train de tyranniser littéralement ces pays. The politicians in Europe have hired ruffians under the guise of professionals. Les politiques de l'Europe ont fait appel à des bandits masqués, en fait, cachés sous le terme de consultants internationaux. Behind who they seek to hide. Et ils cherchent à se dissimuler derrière ces
C'est une pseudo-consultante. Part of our engagement is to get to the policy makers and don't speak to the hired ruffians. Une partie de notre engagement commun est d'aller directement aux décisionnaires et d'éviter les bandits masqués cachés sous le terme de consultants. What Europe has done is unacceptable. Ce que l'Europe a fait est totalement inadmissible. And we are responding as one. Et nous allons répondre en français. Whether we are on a list or not on a list. Que nous soyons individuellement sur la liste ou pas sur la liste. The second matter which you raised about Carnival Cruise Line and Antigua. La deuxième question que vous avez soulevée à propos de la compagnie Carnival Cruise et Antigua. That matter was not specifically raised. Ceci n'a pas été un point spécifique de nos discussions. Though the Prime Minister of Antigua and Barbuda and I have had a long discussion on the subject. Toutefois, le Premier ministre d'Antigua et Barbuda et moi-même nous sommes longuement entretenus à ce propos. And he left this morning for discussions on that very subject. Il est parti ce matin et il nous reste encore à discuter encore plus sur ce sujet. So I don't want to say anything which would prejudice those discussions. Les conversations et discussions étaient en cours, je ne veux pas me prononcer dessus pour ne point intervenir malencontreusement sur ces discussions. But let me ask this question. Mais permettez-moi tout de même de vous poser cette question. Are we in such a state of servitude in the Caribbean that a prime minister cannot speak publicly in defense of what he perceives to be his country's interest without reprisals, unilateral reprisals? Is that where we are now? Is that old-fashioned colonialism replaced by some new species of neocolonialism? Permettez-moi donc de vous poser cette question. En sommes-nous arrivés à un tel niveau de servitude à l'heure actuelle pour qu'un Premier ministre ne puisse même pas publiquement dire ce qu'il aurait à dire pour défendre ce qu'il considère être la position et la responsabilité de son gouvernement sans avoir à craindre des représailles contre son pays, des représailles de manière unilatérale? C'est ça qui est arrivé nous là, nous d'accord et puis ça? Est-ce qu'on est en train de passer maintenant de ce qui était une politique coloniale à subtilement une nouvelle politique néocoloniale qui nous est imposée? The heads of government at the OECS Authority are determined to speak out in the interests of our respective countries. Les chefs d'État de notre organisation ont décidé de se prononcer comme un front commun sur tout ce qui affecte tous nos pays. And in our engagement with Europe, et dans nos relations avec l'Europe, we are also asking our comrades from Martinique and Guadeloupe to be special interlocutors for us. Et dans nos discussions avec l'Europe, nous avons aussi et nous plaidons que la Guadeloupe et la Martinique se présentent comme des interlocuteurs spéciaux auprès de l'Europe pour nous. And in solidarity, they have agreed. Et en totale solidarité, ils nous ont donné leur accord. To supplement and complement what work we will do ourselves. Afin de pouvoir suppléer et compléter ce que nous-mêmes nous avons déjà décidé. Individually and collectively. Individuellement et collectivement. Thank you. Merci. Question. Any other questions? Oui, bonjour. Vous avez parlé aujourd'hui notamment de l'adhésion de la Guadeloupe à l'OECS. Pouvez-vous en dire plus à ce sujet? Et deuxième question, parmi les projets de coopération de l'OECS, il y a le transport, notamment le projet CAIF-SKY. On connaît les difficultés de la LIAT aujourd'hui. Est-ce que le projet va arriver à terme? Et ensuite, où en est la situation de la LIAT actuellement? Est-ce que les gouvernements vont mettre davantage d'argent pour qu'elle puisse continuer à voler? I would ask my brother, the president of Guadeloupe, to answer you on the first general question which you asked about how he perceives
Guadeloupe's interface and cooperation, and he may make some comments also. He may wish to on the air transport civil aviation issue. Je vais donner la parole en fait à mon ami et nouveau membre de la Guadeloupe pour qu'il puisse vous donner ses impressions et ses positions vis-à-vis de cette adhésion de la Guadeloupe comme membre, comment il perçoit les choses, et aussi il pourra en matière de transport aérien se prononcer sur la manière dont il voit les choses. Par rapport à votre question, aujourd'hui, c'est vrai qu'en matière de coopération, il y avait un certain nombre de projets qui étaient soutenus dans le cadre du programme Interreg. Cette adhésion va nous permettre d'aller beaucoup plus loin parce qu'elle va nous permettre d'arrêter d'ailleurs notre politique de coopération. Sur quel sujet nous souhaitons effectivement ces échanges et ce partenariat? Vous en avez les grandes lignes dans la convention qui, même si ce n'est pas exhaustif, nous permet déjà de dire très clairement qu'il y a les champs sur lesquels, effectivement, nous avons un potentiel. Nous avons des préoccupations que nous partageons, notamment sur les questions des énergies renouvelables, sur les questions du réchauffement climatique, sur les questions de la santé des personnes, du bien-être. Et à ce titre, nous avons besoin de cette coopération pour, effectivement, renforcer des liens. Il ne s'agit pas de vouloir, au travers de cette adhésion, de régler toutes les questions qui se posent avec les pays de la Caraïbe, mais d'apprendre à travailler ensemble. Et comme a dit le président Gonzalez hier, à juste titre, apprendre à nous aimer, apprendre à nous connaître, apprendre à avoir des liens de fraternité très forts, et c'est parce que nous arriverons à établir ces relations que nous pourrons aller encore beaucoup plus loin sur des sujets que je sais qui préoccupent les Guadeloupéens dans le domaine de l'agriculture, de la pêche. Mais déjà, essayons d'avancer sur des sujets dont les résultats seront visibles très rapidement en matière de formation des jeunes. Donc voilà ce que va nous apporter l'adhésion. Et l'adhésion va aussi nous apporter quelque chose sur le plan politique. Il faut qu'on arrête de considérer qu'il n'y a qu'un modèle de développement économique qui est celui d'un lien exclusif avec l'Europe et avec la métropole. Sans renier l'Europe, sans renier notre appartenance, nous pouvons aujourd'hui concevoir, et nous devons concevoir notre développement avec nos frères de la Caraïbe. Nous n'avons pas le droit de tourner le dos à la Caraïbe. Nous avons une obligation. C'est ça l'avenir de la Guadeloupe. Et je pense que le président Chalus l'a très clairement dit dès le départ, lorsqu'il est arrivé en responsabilité. Nous avons perdu suffisamment de temps et nous essayons de rattraper ce temps. Alors sur nos deux questions, sur le programme Interreg, et ça me permet de rebondir par rapport à ce que vient de dire votre collègue. Bien évidemment, la question peut se poser par rapport à cette liste blanche ou noire, ça n'a pas d'importance. Mais vous savez que dans le programme Interreg, nous verrons bien les paradoxes, puisque l'État est membre, et l'État est représenté, et l'Europe est représentée. Donc s'il y a une difficulté par rapport à des financements sur des projets, nous l'aurions su déjà très rapidement en tant qu'autorité de gestion. En tout cas, si le sujet vient sur la table, nous aurons à défendre effectivement cette coopération et la position des pays de la Caraïbe pour ne pas empêcher que nous puissions poursuivre dans ce domaine. Sur le projet Caraïbe Sky que vous avez évoqué, Caraïbe Sky c'est quoi? Parce qu'il ne faut pas, au travers d'un projet, vouloir régler toutes les questions qui sont parfois des questions qui relèvent des États eux-mêmes. Il s'agit dans un premier temps de faire en sorte que les connexions soient plus faciles,